Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une recette très facile à faire mais tellement savoureuse. C'est une pâte à tartiner qu'on appelle amlou. Elle est connue aussi sous le nom de Nutella marocain. Alors je vais vous la présenter aujourd'hui accompagnée de crêpes mille trous qu'on appelle au Maroc berrir. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Dans un four que j'ai préchauffé à 160 degrés, je vais faire torréfier les amandes pendant 15 minutes. À la sortie du four, je vais les laisser bien refroidir. Ensuite, je vais les mixer. Pour ceci, je vais le faire en deux fois vu que j'ai un mixeur un peu petit. Donc si vous avez un mixeur plus grand, vous pouvez mettre toutes les amandes en une fois. Traditionnellement, on le fait dans un ancien moulin qui s'appelle Arha. À défaut d'en avoir, on va utiliser le mixeur électrique qui fait très bien le travail aussi. Donc on va mixer jusqu'à ce que les amandes relâchent leur propre gras. Vous pouvez le faire comme moi en plusieurs fois. Mixer, ensuite essayer de mélanger un peu avec une cuillère et remixer jusqu'à ce que la poudre d'amande devienne très fine et légèrement collante avec le gras des amandes. Je vais rajouter un peu d'huile d'argan, je ne vais pas mettre toute la quantité pour le moment. J'ajoute aussi un peu de miel. Je vais mettre l'équivalent à peu près d'une bonne cuillère de miel. J'ajoute aussi un peu de fleurs de sel. Et je mixe à nouveau pendant à peu près 5 minutes à vitesse maximale. Vous pouvez faire des petits arrêts si votre mixeur n'est pas très puissant. Je verse ensuite le mélange dans un petit bol et je réserve. C'est un peu épais pour le moment, ne vous inquiétez pas, on va le remixer avec le reste d'éléments pour lui donner la bonne texture. Simplement, vu que mon mixeur est petit, je suis obligée de faire l'opération en deux fois. Donc je vais mettre le reste d'amandes, je le mixe finement. J'ajoute par-dessus le reste d'huile d'argan. J'ajoute aussi le reste de miel. Concernant l'huile d'argan et le miel, pour les quantités, vous pouvez mettre plus ou vous pouvez diminuer la quantité si vous le souhaitez. À vous de l'adapter à votre goût. Vous pouvez très bien aussi le parfumer à la cannelle, c'est-à-dire ajouter une petite cuillère de cannelle. Vous pouvez rajouter l'eau de fleurs d'oranger. Personnellement, je le préfère tel que je vous l'ai présenté. Une fois que j'ai fini de mixer la deuxième partie, je vais rajouter la première partie que j'avais laissée de côté. Et je mixe ensuite le tout. Ma pâte à tartiner amlou est prête. Elle a vraiment une belle texture. Elle sent très bon. Si vous souhaitez avoir une texture beaucoup plus épaisse, vous pouvez simplement diminuer la quantité d'huile d'argan. Pour la conservation de amlou, vous pouvez le mettre dans des bocaux hermétiques et ça se garde à température ambiante jusqu'à 6 mois. Simplement, je vous conseille de les conserver à l'abri de la lumière. N'hésitez pas à bien mélanger avant de vous servir de l'amlou. Simplement parce que l'huile a tendance à monter à la surface. Je réserve et je passe à la préparation des crêpes qu'on va servir avec. Ces crêpes-là sont vraiment très simples à faire. On va mettre tous les éléments dans notre blender. Personnellement, je préfère mettre d'abord les liquides, c'est-à-dire l'eau et le lait. Si vous voulez vous passer du lait et mettre que de l'eau, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi remplacer le lait
par le lait d'amande pour par exemple nos amis végétariens. J'ajoute par-dessus la levure, ensuite le miel. Le miel c'est totalement facultatif, c'est ma petite touche personnelle, mais vous pouvez vous en passer si vous le souhaitez. Personnellement j'aime bien le goût qu'il apporte aux crêpes. Je vais ajouter la semoule. La semoule, il faudra utiliser la semoule très fine. J'ajoute aussi la poudre à lever. Je termine ensuite avec le sel. Il n'y a pas vraiment un ordre précis pour mettre les ingrédients. Simplement, je vous conseille de commencer par les liquides, ensuite les éléments secs. Je vais mixer à vitesse maximale pendant à peu près une minute. Si vous n'avez pas de blender, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre tous les ingrédients dans un grand bol. Ensuite, vous les mixez à l'aide d'un mixeur plongeant. Ma pâte à crêpes est prête, je vais la verser dans un grand bol. Je vais ensuite la couvrir et je la laisse lever pendant 30 à 40 minutes. Après la levée, je vais utiliser une louche pour dégazer ma pâte à crêpes. Pour ceci, je vais bien la mélanger comme ceci. Je passe ensuite à la cuisson de mes crêpes. Je vais cuire mes petites crêpes dans des petites poêles à fond épais sur un feu moyen tendance fort. On entend souvent parler de la première crêpe ratée. Simplement, je vous conseille pour éviter ça de bien vous assurer que votre poêle est assez chaude avant de commencer la cuisson. Ensuite, avant de verser la pâte à crêpes dans votre poêle, je vous conseille d'utiliser la louche pour bien mélanger toute votre pâte à crêpes. De cette manière-là, vous aurez la même texture pour toutes vos crêpes. Et pour la cuisson de ces crêpes, c'est vraiment aussi simple que leur préparation. Vous mettez la quantité qu'il faut pour couvrir tout le fond de votre poêle. Ensuite, vous laissez cuire jusqu'à ce que le dessus de votre crêpe soit totalement cuit. Ensuite, vous enlevez de la poêle. C'est vraiment très facile parce que ces crêpes-là, on les cuit que sur une face, on les retourne pas. Ces crêpes-là, on les appelle au Maroc barir et en Europe, on les appelle les crêpes mille trous. Et traditionnellement, dans certaines régions du Maroc, on les sert accompagnées d'amlou. Autrement, dans d'autres régions du Maroc, on les sert avec du beurre et du miel fondu. Et en version salée, on peut très bien les servir tartinés par exemple de fromage frais avec une petite tranche de saumon fumé par-dessus. Sinon, on peut les servir aussi avec du foie gras et par-dessus, on met un petit confit d'oignon. C'est excellent et je vous conseille vraiment de tester. Et en ce qui concerne la conservation de ces crêpes, je vous conseille de bien les emballer dans du film alimentaire ou les mettre dans un Tupperware hermétique avant de les mettre au réfrigérateur. Ça se garde pendant 3 jours, autrement pour une conservation plus longue, vous pouvez les mettre au congélateur et vous pouvez ainsi les garder jusqu'à 6 mois. Voici comment j'ai présenté mes crêpes à l'amlou. N'oubliez pas de bien mélanger l'amlou avant de vous en servir. Et regardez mes crêpes mille trous, elles sont très souples et vraiment excellentes. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous proposerai très prochainement une recette à base d'amlou et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mon amlou et mes petites crêpes vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur la recette, posez-les-moi dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!